Alors les premiers éléments, c'est un feu qui serait parti d'un appartement du 9e étage, qui se serait propagé au 10e étage. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que les matières inflammables situées sur le balcon se sont écoulées jusque vers le rez-de-chaussée, inflammant tous les balcons de tous les étages. Donc on a, à l'heure où je vous parle, 4 appartements qui ont été impactés. Alors on n'a pas de victimes sur ce sinistre. Néanmoins, on peut considérer que tous les appartements ont été impactés. Et Habitat 13, qui est le bailleur social, est en train de recenser tous les locataires. Le feu a démarré aux environs de 15h15. Nous avons eu environ une vingtaine d'engins avec une soixantaine de marins-pompiers qui ont été engagés. Nous sommes dans la phase de noyage, donc c'est-à-dire que nous éteignons tous les points chauds qui peuvent encore se trouver dans les différents étages. Et le feu sera éteint réellement lorsque le déblayage aura été effectué, que nous serons sûrs qu'il n'y ait aucune reprise possible. Il y a 21 familles qui ont été évacuées. Ces familles-là sont reçues dans le centre social et on est en train de voir avec eux, de prendre tous les noms et de voir comment on peut faire pour les reloger. Voilà, il y a beaucoup d'enfants en état de choc. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une cellule psychologique. On va essayer de mettre ça en place assez rapidement. Et puis voilà, il y a une solidarité qui se fait assez importante, comme souvent c'est le cas. Mais il y a aussi beaucoup de personnes choquées.